fait au montage. La photo. Celle auquel vous avez apporté les informations et ces informations sont toutes. Sont des gens qui sont agressifs. Mais aujourd'hui, je réalise que on tient compte que la partie urgente de cette maladie. Et comme selon ce auteur, on définit que la santé mentale est une aptitude psychique à fonctionner de façon harmonieuse, agréable et efficace, et à faire face avec souplesse aux situations difficiles
en étant capable de retrouver son équilibre. Donc, la question est une personne qui a peur de faire quelque chose, peur de mener le projet. Oui, et maladie mentale sont bagaille qui fait un pile moun peur et qui fait un pile moun honte tout dans la société. Hein? Parce que là où gagne un proche ou moun ko konnen, un petit moun qui t'a évolué très bien, qui t'a brillé l'école et qu'on garde brusquement, ouais, que li gon comportement qui dérangeait tout le monde et ouais, li abandonné. Des plans que l'été gagne pour l'avenir, ça mette tout le monde dans la tristesse, dans la désolation, dans le découragement. Et nous, en Haïti, nous gagnons comme base religieuse, c'est le vaudou. L'autre pays gagne pas, ce n'est pas un bagage qui est différent d'un pays à l'autre. Ça veut dire que le vaudou, même le bouddhisme, mais il y a une base culturelle. Yo. Et souvent nous attribuons problème à une persécution, à un mauvais sort qui fait que nous pas chercher résultat que nous sommes capables de joindre à partir de ça qui est disponible pour le moment dans le pays hein, pour soigner mon yo. Donc moi demander population hein, puisque moi nous assez intéressé pour nous connaître juste ça qui passe dans tête mon yo les malades. Pour nous servir comme agent d'information, comme vulgarisateur, en mettant radio nous à éducation population sur différents thèmes qui préoccupent, sur des différents problèmes à résoudre, tout pays a des problèmes, pour nous capables de gagner une société qui est moins malade. Parce que les gens n'ont pas dormi, gen pas manger, gen qui triste, gen qui abandonné ça était gen pour faire et gen famille qui en conflit. Tout ça sont question de éducation, d'information pour nous gagner une meilleure société. Et ça qui valable pour une famille, li valable pour société a, li valable pour le pays et li valable pour le monde entier. Donc la situation mentale. Basio en pile. Et d'après notre stade actuel, information que nous gagnons dans le livre et dans ça nous fait ou dans l'expérience, nous avons cause maladie mentale en pile. Depuis dans bébé, dans votre maman. Si vous n'avez droit, tu gagné une malformation ou bien tu gagné un problème que tu prends pendant li dans votre maman depuis la conception. Ou simple grippe, ou simple fièvre, la ka maman qui a déjà créé perturbation dans le cerveau de Timouna. Le ça nous parler d'un problème neurologique, mais qui plus tard capable d'aboutir à un problème psychiatrique. Parce que 50% de maladies mentales, ils ont à la base un problème dans le cerveau, un problème neurologique. Il faut chercher. Tout ça, ça a à voir avec religion. Religion. C'est la façon que chaque monde réagit leur situation sur la base de la croyance que vous avez soit dans les parents ou que vous même allez chercher à joindre. Pourvu que vous avez une perturbation que vous n'avez pas expliqué, vous virez maintenant sur la religion et le manque d'information ou bien la désinformation
ou bien la malhonnêteté aussi des gens fait que retourner à religion pour rejoindre une solution que on était capable de joindre sur le plan purement médical, scientifique. Donc, est-ce que situation pays a trop un impact sur santé mentale? Chaque pays a un moment dans l'histoire li décrété la caille population li et des troubles. Nous joignons ça depuis notre temps et des Grecs, etc. Des grandes perturbations dans le monde. Ils ont même parlé de l'Atlantide. Même si ils ont même parlé de l'Atlantide qui était l'elle fait, si c'est vrai, qui t'a créé perturbation dans cette population. Ils ont même parlé de gens venus d'une autre planète qui t'a venu réconforter psychologiquement parce qu'ils étaient perdu la raison. Puis devant, ça m'a dit non, c'est pas nous supposer, mais nous Lili, ils ont inventé ou pas. Mais de façon concrète, la Deuxième Guerre mondiale et ce qui s'est passé au Japon, et dans plusieurs autres pays dans le monde qui créent, qui ont un impact sur le psychisme, sur le comportement de la population. Heureusement que dans le pays, il y a assez de moyens et il y a des gens qui penchent sérieusement sur le problème. Non, ils ont mis ce qu'il faut en matière d'argent, d'établissement, de personnel qualifié pour soigner la population, pour être capable de retourner à un état acceptable. Nous faisons un sujet dans l'université, ou encore est-ce qu'il y a des moyens pour faire des dépistages pour détecter la maladie? Bon, de toute façon, c'est moyen pour nous mettre tout qui peut aider nous, parce que nous avons en ville. Il faut nous former. Ensuite, pour nous prendre un temps pour appréhender les choses. Nous payons l'argent en main. Il faut nous faire un mess, il faut nous faire une série de choses pour nous râler l'argent. Il ne va pas faire psychiatrie sans l'argent. Mais il ne va pas faire psychiatrie tout sans connaissance ni sans volonté. C'est tout qui pour ensemble. Oui. Vous allez pas prendre la prévention. Pardon. Prévention. La prévention, c'est l'hygiène. La pollution sonore. Et le voisinage. Moun kap joure, moun di au mauvais mot. Moun kap di yo mauvais mot, moun kap menace yo de tout et de tout, c'est nocif pour la population. La sous-alimentation, le manque de vie, le stress, les embouteillages, tout ça que nous connaissons. Et puis cartouche là tout, pourquoi pas? On parle de cartouche, docteur. Est-ce que vous pensez d'abord même par exemple aux actes de sécurité que la population fait face chaque jour, qui a lié à un problème de santé mentale? Bon. Nous, ça, son travail, vous n'allez faire pour nous connaître. Son travail en profondeur. Mais pour le moment, bah, qui est capable de faire ça là, honnêtement, okay. Nous devons commencer par pipiti et puis nous monter. Rappelez-nous nous, s'il vous plaît. Je suis docteur Cyprien Guillaume, Marie-Yves, Jacqueline Cyprien Guillaume. Oui, exactement. Ou même comme étudiant aspirant, hein? Selon moi-même, le thème santé mentale a déjà considéré comme un sujet qui presque négligé Haïti. Côté que dans toute partie médicale qui existe, il a presque prêté attention à seulement corps monde. Que cependant, et santé mentale a une importance totale capitale parce que la majorité des maladies physiques que le monde a gagné, même maladie physique là tout le gain des effets sur mental monde là tout et surtout un mental qui par qui on toujours dit un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire il y en a qui affecté qui a causé problème sur l'autre là. De ce fait, moi c'est nécessaire pour pas seulement tenir compte de communion. Parce que y a un monde qui est malade dans le col et mental n'est pas OK, c'est sûr que il va pas guérir. Et il y a deux monde qui vont guérir à partir de mental seulement. Il y a une maladie et immédiatement que pas mettre ça dans tête tellement et symptômes yo cap pas même dévoiler sous les mêmes à cause que mental n'est OK. Et on l'autre que mental n'est pas OK, lui même la fait plus gain plus chance pour maladie à faire plus effet sur lui. Premièrement, il y a un facteur que nous ne pouvons pas négliger en Haïti, qui c'est l'instabilité politique que nous avons parlé. Et pas seulement politique, instabilité de toutes sortes, instabilité économique, tout le monde.
et nous dans un environnement côté que majorité haïtien a vivre avec un minimum de stress là caillou. C'est-à-dire message que m'ta voyer c'est pour autorité sanitaire qui concerné avec question maladie et santé mentale pour essayer ouais des moyens que eux même ont été mettre et des mises en place pour et sujet ça pour les jeunes plus encadrement dans société là. Parce que sans un mental qui est en forme, nous ne pouvons pas fonctionner. Moi, qui suis étudiant en médecine, si je suis stressé, je peux et manifestation, je peux ceci, je peux cela, j'ai l'autre maladie mentale, c'est sûr que je ne peux pas étudier, je ne peux pas faire rien. C'est-à-dire, autorité pour essayer de voir comment ils sont capables de faire et puis pour qu'ils rendent et sujet ça qui est santé mentale là, comment ils sont capables de prendre plus en charge. Même si en médecine, non, ils prennent en charge en pile, on prend, mais même j'en tout pour les gens qui sont responsables de santé mentale, pour qu'ils soient capables de prendre en charge. Prendre ça en charge. Non pas monsieur Constantin Hakim, étudiant deuxième année médecine. OK, d'accord.